Ah ouais. Oh. Allez, on voit le symbole derrière. Eh, mais on le voyait pourtant du début. Oula. That's it. That's where Harry must have gone. Ouais, je pense. Hein. Ouais, on le voyait pourtant ça, qu'on est arrivé sur le... Ah, pas ah non. Non, pas vraiment en fait. Bon bah go hein. Je sais pas où on va mais... Bon, en tout cas ce que je sais c'est que... On va se mettre à l'abri. Et ça c'est cool. I'm at the top of the mountain. I can see that giant diamond-shaped thing really close from here. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas ici encore qu'on sera au sec. Took me a while to get here, but the views are worth it. Bah, oui et non. Hein. C'est vrai qu'on est très haut, mais au final, c'est full nuage brouillard, donc c'est pas d'ici qu'on verra le Mont Blanc. So refreshing. Feels really good. Ok, on a une fresque. Singing like a choir? Ok, bah c'est la porte ça. Ça a l'air très bien. On continue tranquillement par ici. On peut monter là. Je vais aller au bout d'abord. Heavens, looks like a rock slide crushed all the tents. All but one. A torn picture. Maybe the Polynesian guide didn't like people taking pictures of his scar. Ah ouais, la cicatrice. Ah, mais on le voyait pas sur l'autre photo. Donc c'était bien lui du coup. That came out of the rock slide in one piece is the one filled with amulets. Tiens, tiens, tiens. Très bien. Là, pas grand chose. Ah, petite note. Monsieur Franklin Drayton Jr. 12 Grand Street, Mont Bayou, Mississippi. Cher Monsieur Drayton, nous avons bien reçu votre lettre datée du 30 juillet dans laquelle vous nous demandiez à être admis à notre école d'ingénierie. Je suis au regret de vous informer que nous ne sommes pas autorisés à accepter les gens de couleur dans votre établissement. Ah d'accord. Je suis désolé, mais il nous est impossible de vous aider. Cordialement, John Red Bifford, directeur des inscriptions. They didn't accept Frank in the university. They should be ashamed. Petit racisme. Donc ça veut dire que Frank est... Ah ben non. Ah ben non, mais non. Bayou, c'est justement, c'est une école de noirs et ils n'ont pas accepté. C'est du racisme inversé, du coup. Pas racisme inversé. Sure compris. Mais je pensais que c'était plus dans le délire de des noirs refusés, mais là non, c'est l'inverse. Monsieur Ever Harry, vous êtes quelqu'un de bien et je sais que vous aimez votre femme. Alors retournez auprès d'elle. Vous ne trouverez rien d'autre que la mort en ce lieu. Partez sans attendre. Cass tentera de vous en dissuader, mais la seule chose qui l'intéresse, c'est d'écrire un bon article. Ne l'écoutez pas. Je suis à bout de force, désolé. Adieu, Franck. Ok. Là, on a encore une stèle. Ah. Celle-ci a l'air importante. Journal. Oula, mais il manque tellement de choses. On fait bouger une gigantesque structure, me révélant un pic montagneux. Ok, là, on y est. Peut-être que des foules se rassemblaient en cet endroit pour chanter un genre de psaume ouvrant la porte. Les bolis écrasaient toutes les tentes, sauf celles protégées par les reliques. Et du coup, ça, c'est important. D'accord. Et là, il y a des trucs qu'on peut toucher. Ok, bon, on va attendre d'avoir tous les indices. Très bien. Ah, mais une autre boîte ici. Oula. Oh, oh dear. Oh, I'm sorry, but art has never been your thing, old pal. Ouais, parce que c'est vrai que bon, ouais, la comparaison. Oh bordel. Instagram vs réalité quoi. Très bien. On va grimper ici. Ah ouais. Que stylé. Petite amphi. C'est un cul-de-sac. Oh. Peut-être checker le haut d'abord. Ok, donc là on a une deuxième fresque. Très bien, avec le même système. Ok. Là on a un truc pour mettre le courant. That is a doornail. Ok. All right. Can you turn it on, Cass? Please, sir. We should not do this. Not now. Haven't we had enough warnings, Mr. Everhart? What else do we need? Another death? Listen to me. Frank lost his life setting this whole thing up. So we're not going to discuss it anymore. We're going to activate it, period. That clear enough for you? Hey, you. Hey, Ma! Fine, same to you. Please,
Ah ben ça refait le... Bah oui, ça refait l'ogre du coup. L'ogre. L'orgue. L'ogre. Avec la machine qui était en bas là. Très bien, bon, c'est un peu parti en cacahuète. Je suis si stupide, quel idiot arrogant, cet ébouli aurait pu tuer tout le monde, et tout ça à cause de mon entêtement. Ah donc faut pas recopier la musique d'en bas du coup. Très bien. Il y a une autre stèle ici. Très bien. Ah oui, il y en a beaucoup là du coup. S'il faut tout remplir... J'avais pas vu là, il y a un truc là. C'est un micro. 1212, testing. Nope, doesn't work. Petit micro. Ok. Donc ça, c'est des grosses enceintes du coup. Ok, ah. There's a symbol inside. Il y a d'étranges symboles dans le bassin vide. Ok. Je vais aller checker la porte. Là, il n'y a que dalle. Là, c'est là où j'étais. This door looks thicker than any I've ever seen. Ok. Très bien, très bien. Homemade loudspeakers. Probably to amplify the sound. Ah, c'est malin. Celui-là, je l'ai pris. Ouais, celui-là, je l'ai pris. There are some sort of sound devices built around this amphitheater. Ok. Ouais, il n'y en aurait que 4 du coup. Même s'il y a de la place en dessous, mais... Très bien. Ah. Oh no. Frank died. Ouais, c'est ce qu'il disait dans le truc. Il a donné sa vie pour... Frank fought in the Great War. Ok. Oh, Frank had a daughter named Angeline. What a darling. Mais du coup, Frank... Ah si, donc il est... Donc c'est bien de... Ouais, c'est bien, voilà. Du racisme anti-noir. Mais je croyais que Frank, il était... C'est pas lui, là ? Où c'est qu'on a une photo de tout le monde ? Je croyais que c'était celui-là. Que c'était lui, Franck. Ok, bah en fait, non, c'est lui. Très bien. Ah non, lui, c'est le... Ah mais non, c'est le docteur, lui. C'est le docteur qui casse les couilles, mais qui est quand même bien. Ça, c'est Cassandra, ça, c'est Harry. Et lui, du coup, c'est... Je sais même plus. Je sais même plus. C'est pas très grave. Ah oui, ok. Bon, en même temps, après, c'est vrai qu'on est en 1934, donc... De toute façon, c'est... Sorry about Frank. Harry doesn't have many friends. When you finally do get to know him, he's so witty, so funny. A loving person. But it takes a lot for him to open up. Ouais, enfin, malheureusement, le racisme existe toujours, mais disons qu'aujourd'hui... Les gens de couleur ont le droit de prendre les transports en commun sans se faire agresser, quoi. Looks like a sneaky snapshot. She doesn't look at all happy. Ok. C'est vrai que c'est bien triste, ça. Built all this just with pieces from the beached ship. Frank sure must be a real whiz. J'avoue que. Ouais, il faut que j'allume le courant d'abord. Ah, enfin à l'abri. Ok, il y a un relais ici. Je vais devoir utiliser la turbine du navire et tout ce que j'ai récupéré à bord si je veux y arriver. Voyons si je parviens à tout alimenter en électricité avec le peu de matériaux que j'ai pu trouver. Ok. Ça, c'est la porte. Harry est convaincu que la réponse à mon illness lies inside that temple. Limon noir et maladie de Nora, je dois absolument ouvrir cette porte. Ah oui, mais en fait, il y a un symbole quand il y a un truc à trouver derrière. Oui, d'accord. On peut vraiment. Ouais. Un peu de backseat quand même. D'après la légende. So, this is like Atlantis, but in the Pacific Ocean, right?
D'après la légende selon laquelle Mu a sombré sous les flots du Pacifique il y a plusieurs milliers d'années de cela, ces structures en pierre cyclopéenne de forme irrégulière contrastaient avec l'utilisation quasi systématique que cette civilisation faisait des formes en losange. Cela rappelle d'autres symboles rhomboïdes, tels que l'étoile de Lakshmi indienne. Les experts pensent toutefois que dans le cas spécifique des structures des Nakals, au lieu de représenter la fertilité et la prospérité, le rhombe était un signe de transformation et d'évolution. Ah bah oui, tu transformes en bestiole. They built loudspeakers on top of this tower to reproduce the effect of the organ. Very clever, old pal. Bien vu, bien vu. Moby Dick. Spirits are obvious in this photo. What was wrong with Frank? He looked. Ah. Zut. His low spirits are obvious in this photo. What was wrong with Frank? He looked so thin. Ah si, non, je crois qu'il y a. Ok. Ok. Bah écoutez, on va suivre le câble. Hein. Je pense pas que j'ai oublié quelque chose ici. Petit moulin. They built a turbine to generate electricity under the falling water, but the stream isn't close enough to the wheel. Ouais, j'avoue que. These levers connect those gears to direct the wheel's energy into the turbine. Ok. Oh. Blood-soaked rags. A Bible. It must have belonged to Frank. He thought it was a flesh wound, but it kept getting worse. J'ai essayé de nettoyer au mieux la blessure que DeWitt m'a faite, mais en dépit de tous mes efforts, elle a toujours l'air infectée. Mon état empire de jour en jour. Ok. Il a du poids, il faut brancher les. Ok. Ok, ah, je peux pas les tirer de ce côté. Ah. Ok. Ah, celui-là il peut rentrer maintenant. Parce que c'est vers le bas. Ok. Sauf que déjà il va falloir rapprocher ça en fait. Enfin rapprocher ça. C'est... Ouais. Faut que l'eau arrive dessus quoi. Ok. Bon. Je pense qu'on a tout là. Qu'est-ce qu'elle a rajouté avant? Une petite pluie fine s'est mise à tomber. Oui oui la structure. Ok. Et du coup on a ça. Alors, je vais retourner voir les fresques. C'est avec les petits boutons dessus que ça va jouer. Et je pense que j'ai tout. C'est vrai qu'il manque beaucoup de choses, donc, mais bon, pourtant j'ai bien tout vu, donc je sais pas. Ok, donc là on a 4 bonhommes et on a le symbole qui est au-dessus de celui-là. Ah, ben, ah non, il y en a 2 qui sont là. Ça aurait pu être 1, 2, 3, 4. Et les symboles correspondent à ça. Ok. Donc là, on aurait celui-là sur le côté. Donc ça serait celui-là. Donc du coup, celui-là du haut. On va voir. On va voir si c'est ça. Ici, on a la double boule. Donc ça serait celui-là de droite. Ok. Du coup, il y en a 4. Ouais, 3 et 1 qui est tombé là-bas. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a celui-là du bas. Ok. I like singing so much. Harry and I often sang together. When my condition got worse, Harry thought it wasn't a good idea to make unnecessary efforts. And we stopped singing. I know it was just for my own good, but my illness caused our whole lives to revolve around it. Eh oui, et ça, bah c'est celui-là de gauche. Did these stone columns just okay. Vibrate? Amazing. Ah oui. The hatches are opening. Le bruit que c'est... Ah oui, ça envoie des ondes. Ok. Donc là, du coup, il devrait y avoir plus d'eau de l'autre côté, et la route devrait tourner. La route tourne à tourner. C'est un peu flippant quand même. Faut pas se mentir que... Ah ouais! Ah oui, du coup ça a rempli le bassin. Ok. Now that it's filled with water, it looks like a baptismal pool. Ok, 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 ok. Oh, c'est stylé. Alors est-ce que la retourne? Logiquement oui, hein, sinon je vois pas ce qu'il y a d'autre à faire. Ok. Now the wheel is moving. Ok, donc maintenant faut que je regroupe les trucs. Donc on a dit vers le bas,
Ça peut s'enfoncer. Ok. Ok. Je pense qu'il faut que je fasse dans l'ordre. Tac. Et la dernière. Ça, ça va lancer la turbine. That was easy. Ok. Ah. Il manque un truc là. These buttons seem to adjust the amount of energy that goes through the turbine. Ah d'accord, faut tous les activer. Ok, donc celui-là, éteins ça et celui-là. Ok. Easy. That should give the turbine some energy. Impeccable. Que la lumière soit. Ah mais là c'est pas un indice du coup. Ok. Now everything should be powered. Ils ont compris qu'on regardait quand c'était plein pour savoir si on avait tous les indices, du coup maintenant ils mettent des trucs à la con. Ok. Donc là maintenant on va pouvoir activer les relais. Il y en avait un dedans. Il y en avait un tout en haut je crois. Parfait. Il y a un nouveau ici qu'on n'aurait pas vu sans lumière. Non. Du coup maintenant... Oh! Ça clignote. Et on va peut-être pouvoir envoyer un signal du coup. C'est moi ou le gant il est devenu genre vert marron dégueulasse là. Ils étaient censés être bien si... Ah ouais les gants ils ont pris la pluie hein. La vache. Hop. Ok. On va appeler à l'aide. What? Did I do something wrong? Come on, work! Come on! Aïe! Ah! Fin du jeu. Oula. Oula, oula, oula. Now what? What's happening this time? D'accord. I can feel the fever rising. Oh God, no. My illness. Is it coming back? Is this an ocean? An ocean that dried up. C'est un poil glauque là quand même. Ok. Ah, mes gants sont propres maintenant. Bah écoute. No, I would rather die than use that damned thing again. Ouais, mais au moins pour te défendre en fait, non? Ok. These really are ancient bones of a very ancient creature. Ah. They are so dry. I need to find water. My bed. Another memory of my illness. How many times did I think I was going to die lying in this bed? Okay. Y a quelqu'un? I'd better. Find some shade before I dry right up. Oh, je suis à l'ombre là. A horseshoe-shaped pillar. And that diamond shape again. Ah, ça me... Ah, je peux pas, ça m'a poussé... Ok. Je sais pas où on est, mais... I feel woozy. On y est, y'a une cabane. Jusqu'au bout. C'est la sienne, non? Wow, c'est trop stylé en vrai.
That's not a house. That's our house in Inglewood. C'était obligé, hein. C'était son lit, sa canne. Or am I just losing my mind? Ah, et maintenant on est sous l'eau. Wouah! Ok. That's our mailbox too. 506, ouais, c'est bien là. Hein. Harry? Are you home? What the fuck? I miss you so much, old pal. A picnic with Harry's brother and sisters. I started wearing gloves shortly after that day. Avec l'eau qui déforme les visages, c'est nightmare fuel. Ok. Ok, ok. Bouquin. Definitely losing my mind. Ah, ça devait être l'escalier qu'on montait au début, ça. I don't understand what is happening, Harry. Are you... Ça respire là-dessous, là. Ah, et là, maintenant, je suis plus sous l'eau. What? Là, je marche, là. What the fuck, c'est bizarre. Harry gave me this necklace after one of his scavenger hunts. Ok. It's a photo of my mother and me. She had just gotten worse from her illness. Ah, d'accord. Ouais, donc en fait, elle l'a transmise à sa fille, en fait. The happiest day of my life. Ah. The happiest day of my life. And one of the few pictures of Harry without his glasses. Ok. Ah, il y a la statuette. My mother's music. Il y a la main qu'on avait le truc là. Sous la tente. Cousin greetings. Robin. But I don't have any cousins. Je suis en train de réfléchir à... En fait... Checkmate in three moves. Je veux l'explication de pourquoi on est malade alors qu'on... What a duo. Qu'on n'a jamais été sur l'île, en fait. Et sa mère aussi était malade, donc ça se trouve, elle nous l'a transmise. Checkmate in three moves. Ouais, je sais pas. Ok. Petite méduse. What a sweet melody. Okay. C'est la musique. C'est une danse. C'est même pas la même qu'au début. Ça me dit rien. Ah, what was that? Another vivid dream? And my music box again, but. T'en es tombé de là-haut et on va bien. And what a catchy tune. Ben, on est plutôt balèze, hein. I'm not going back up there. The fuse box is already providing electricity to this entire setup. Ok. Et du coup, il reste près du... Près du magnéto. Bon, après, si c'est écroulé, hein. One, two, one, two, testing. Nope, doesn't work. Okay. Et là maintenant, on parle dedans. I haven't sung since I got sick, but let's give it a shot. Ah ouais. Oh mon cerveau, tout est lié, mais comment ça se fait en fait? À moins que ça soit un rêve depuis le début et qu'on soit juste dans notre lit. That was quite a show. Ok.
Bah écoutez, je pense que j'ai tout. This feels like hallowed ground. Ok. Notre fresque là. Petit campement. Ok. On a de beau ici. Are they bathing him in black ooze? Okay. Bon, ça on l'a fait aussi. His hands are changing, like in my dream. Ouais. Look at those spots. They look like mine. Ouais, donc c'est vraiment le limon, mais pourquoi on... Ah oui, carrément, il se transforme en sirène, quoi. Some sort of man-fish. Ok. Ah, puis là, bah alors... Fish of every size and shape. Et ils ont tous les petits points, en fait. What the fuck. Ok. Notre beau ici. This looks like the same kind of elevator that was in the campsite. Niveau supérieur, tunnel rez-de-chaussée, autre mécanisme de monte charge. Ok. These patterns look too familiar. Ok. She sounds worried for him, I think. Ça fait désormais 3 jours que Harry est là-haut et il ne répond pas. Qu'a-t-il découvert? Si je pouvais monter moi aussi. Oh. Ok, il y a des symboles là. Je vais pas les noter. Non, on s'en fiche. Oh bah ils sont partout en fait. D'accord. Ok. Aïe 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 aïe. Ok. It's like I'm inside the giant fish head that I saw from below. Ok. Ah, une note. De l'eau, un liquide, un fluide. I've seen this symbol in the mural several times. I guess it can be applied to both water and black ooze. D'accord. Ok. Liquide. Ok. Ok. Ouh là 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 là. Là, qu'est-ce qu'on a? On sait pas. Mais du coup, on a un... Ok. Là, on a juste... On a le symbole et les petites étoiles. Oh. Harry threw a bottle against the wall. Was it because he was frustrated for not deciphering this? Or because of what he discovered when he did? A broken liquor bottle. Is this Harry's? He hates booze. Harry marked this symbol for a reason. I'd better write it down. Animal aquatique. Ok. Il y en a d'autres qui sont entourés. Non. Ok, là on a quoi? Alors, on sait jamais en fait. Et que le premier, on sait que c'est liquide. Ok. La vie. It's amazing how words and symbols can keep their meaning after thousands of years. Ok. Ah, l'a pas noté celui-là. Ah. Ah, d'accord, si. À comprendre que ce symbole, c'est la vie. D'accord. Ok, 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 ok. Et là, on en a un dernier. Et on sait pas vraiment ce que c'est. J'ai pas d'autres indices là. C'est quoi ça? Someone punched the wall so hard that they bled. Was it you, Harry? Ok, il y a plein de trucs là. Il y a plein de trucs là. Transformation, this évolution. One was easy, I think. Ok. Ok, il nous en manque un. Ah. Une nouvelle lettre de Harry. My dear old pal, Nora. I wish I could write something else, but a long time ago, I promised you I would never lie to you. So here goes. There is no cure for your illness. Ah. What you carry in your blood is changing you, and it will keep changing you until it's done, whatever that means. There is nothing we can do to stop it. My dear old pal, my partner, the love of my life, I am so sorry. I've made so many mistakes. All those deaths because of me. Frank, DeWitt, Roy. All for nothing. Maybe Teohoro is right. Maybe we can return to the beach and build a raft to get back to Papietti.
Maybe in less than a month, I could be back. Okay. There's no cure? But he didn't finish the letter. What did you do, Harry? Where are you? I know for sure that you didn't go back home, so what... What do I do now? Are you still on the island? I have to find you. Bon, petite ambiance, hein. God's blood. Does this mean that... Is this related to me somehow, to my disease? Ceux qui ont le sang de Dieu sont transformés, destinés inévitables en eau plus animal pour vie éternelle. Ok. So that's how you mark the symbol's orientation. Faire pivoter le nord sur la roue fait passer le symbole dans un autre cadran. Ok. Éternel. I'm starting to understand this language. Ok, on a eu le dernier là. This one was really hard to figure out. Good job, Harry. Éternité d'infini pour toujours. Ah, les mecs sont balèzes pour. Well done, Harry. Boy, am I lucky that you did the hard part of figuring things out. A plus B égale à B. Leur langage fonctionne en combinant différents symboles pour en créer de nouveaux. Idéogramme. Mot A plus mot B égale nouveau mot. Ok. John McCormack's dear old pal of mine? Our favorite song. Ok. Bon. Ok, la page est pleine, donc on a tout. Transformation liquide, vie éternelle. Donc du coup, le liquide nous permet de nous transformer et on a la vie éternelle après. Combiner les symboles crée de nouveaux mots. Sang de Dieu, animal aquatique, vie éternelle, transformation inévitable et prédestinée. D'accord. Très bien. Du coup... est-ce que c'est un... Oh la vache. Ah oui, c'est pas les mêmes. Celui-là, il est important. Peut-être commencer par celui-là, du coup. Water Animal. Alors là, on a le truc du dessus. Donc là, on a le liquide. Ouais, mais du coup, c'est déjà bien mis, liquide. Je pige pas. Je pige pas. C'est déjà... Enfin, c'est déjà bien mis, je sais pas, mais ça correspond au truc. Liquide. Donc là, du coup, transformation. Ouais. Après on a le 3, vie, éternelle. D'accord, et du coup je suis censé... Ah mais c'est là. 1, 2, 3, 4. Quoi ? A complex pattern. Quoi ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bah oui mais du coup c'est le même ordre. Je pige pas les symboles en fait. Je pige pas les symboles. Ah mais 1, 2, 3, 4. Donc c'est à dire que... Ah oui là ils sont mélangés là. Oui mais du coup... Oui mais je pige pas le... Attendez, je pige pas en fait. Qu'est-ce que ça a fait là? Qu'est-ce que ça a fait là? Hein? Mais ça fait juste bouger le... Il y a un truc qui bouge mais... 1, 2, 3, 4. Alors là, je pige pas du tout ce que je suis en train de faire. Là, il y a le truc du nord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Faire pivoter le nord pour faire passer le symbole dans un autre cadran. Bah non, ça bouge pas. Ça, y a, ça bouge pas ça là. Y'a rien qui bouge. Attendez, y'a rien qui bouge. Y'a absolument rien qui bouge en fait. Je comprends pas. Je comprends absolument pas ce que je suis en train de faire. Parce que les trucs ne bougent pas en fait. C'est buggé ? Ça se
Attends, mais nous, ça, je peux redescendre? Ah, je pense pas que ça bouge un truc en bas. Alors là, je ne comprends absolument pas, parce que ça ne bouge pas, en fait, donc... Ah non, là, il y a que dalle, hein. Ok. Très bien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que je peux juste toucher à ça? Ouais, fait passer le symbole dans un autre cadran. Bah du coup non. Il ne déplace pas le truc. C'est bugué? Faut que je recharge la partie ou... Parce que... Ah ça, ça correspond au truc. Bah oui, mais d'accord, mais... Je comprends pas. Donc là... On est... Du coup, on a le mélange de symboles. Donc on a la barre... on a le rond. Donc on a du coup la vie. On a celui-là. Vie liquide. Et on a celui-là. Vie liquide éternelle. Donc là, on en a trois, du coup. Là, on a le rond et le truc sur le côté. Mais du coup... Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Parce que ça se déplace pas, en fait. Transformation liquide. Les étoiles, elles bougent pas. La structure construite est alimentée par... Oui, j'ai réussi à voir la trappe, j'ai réussi à me remettre le courant, m'a fait perdre connaissance, j'étais dans un désert, était réel. Lorsque je me suis retrouvé devant le micro, la mélodie de la boîte à musique s'est instantanément revenue en tête, dans un bruit de tonnerre, le temple s'est reconstruit tout seul devant mes yeux et la porte s'est ouverte. C'était étrange, mais je savais que c'était la bonne chanson. La porte du temple mène à une galerie en spirale ornée de peintures murales. Harry a utilisé un monde de charge ancien pour accéder au sommet du temple, mais plusieurs jours plus tard, il n'est toujours pas redescendu. Qu'a-t-il bien pu découvrir là-haut? Mon charge m'a amené au premier étage. Cette technologie est vraiment stupéfiante. La civilisation qui a bâti ce lieu utilisait le limon noir pour tout. La salle supérieure est impressionnante. Creusée dans la tête de poisson, elle est décorée de peintures murales représentant des motifs complexes. Apparemment, Harry a découvert que ces symboles étaient des mots, et il a passé beaucoup de temps à tenter de les comprendre. Harry a l'air désorienté, irritable et en proie à une grande confusion. Il n'a jamais bu, pas même avant la prohibition. J'ai peur de coucher cela sur le papier, comme si le simple fait d'écrire risquait d'en faire la vérité. Harry semble persuadé que ma maladie est incurable. Dans une lettre un peu vague qu'il n'a pas terminée, il explique que mon corps continuera à changer jusqu'à ce que la transformation arrive à son terme. De quel terme peut-il vouloir bien parler? La mort? Mais ça bouge pas. J'ai l'impression que c'est buggé. Parce que là, je vois vraiment pas, en fait. On met le truc en haut, d'accord, mais... Et là, ça bouge pas, ça. Et tous ces symboles, là, c'est de la déco. Là, je comprends vraiment pas ce que je suis en train de faire. C'est assez terrible. Là, c'est... Ouais, animal aquatique, ouais, mais... Alors là... Je comprends pas. Parce qu'il dit que ça fait bouger le symbole. On le voit, là, ça change. Mais ça ne bouge pas. Donc, je vois pas en fait. 1, 2, 3, 4. Parce que là, admettons. On va peut-être faire le 2 là. Là, il y a du coup transformation et éternel. Donc du coup, ça serait genre droite et verticale. Donc genre lui serait là. Après là on a liquide et vie. Donc on a 2 et 3. Donc on mettrait entre les deux. Genre là-bas. Là. Et là, on a vie éternelle, donc on a 3. Et 3 là. Donc
mettre là parce qu'il se relie en bas. Là. Et là. Non, mais non, je comprends pas ce que je fais. Il y a un bug là. Il y a un bug là, on est d'accord. Bah, attendez, parce que là. Je suis complètement. Que ça ne bouge pas en fait les symboles. On bouge que le truc du dessus. Oula. Allez, le jeu charge. Ok. Ah non, ça bouge que ça. Bah ouais, mais du coup, comment je fais? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Ça fait... C'est censé faire passer le symbole. Et que le truc du haut correspond au truc qui est dedans. Ah, mais par rapport encore aux positions ici. Bah oui, mais non, bah non. Bah non, parce que c'est des trucs combinés. Genre là, on a celui-là. Ah, mais si. Donc lui, il est en bas. Attendez. Là, on a le... On a ça. Donc il est à droite. Ah, mais pourquoi je réutiliserais les... Là, on a sur le côté, donc il est à gauche. Et là, on a celui-là, donc en haut. Bah non, il est déjà en haut. C'est pas ça. Et après, il y a le délire des mots combinés. Que le 1, c'est censé être... Ah, il faut les faire dans l'ordre. Bah, mais non. Je comprends pas. Je comprends pas. Genre, faut faire le 1, ça l'active, après on fait le 2, etc. Mais... A complex pattern. Mais là, ils sont bien mis, donc... Là, je comprends tellement pas ce qu'il faut faire. Que le premier, c'est le liquide. Le sang de Dieu, là. Donc on a bas. On a bas, gauche, haut. Bas, gauche, haut. Attends. C'est mouche, elle change de couleur là. Ah non, c'est quand je déplace la caméra. Ah, je piche pas. Ah, je comprends pas. C'est censé déplacer le symbole dans un autre cadran, mais il bouge pas. Du coup, ça fait juste les trucs à la verticale, mais. Je comprends pas. Fais passer le symbole dans un autre cadran. Du coup, ça elle le fait là, et ce qui fait que ça fait dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Donc ça bouge pas, mais il faut que je comprenne que je veux faire ça, c'est ça? Alors là, le 1, c'est du coup. Il faut que j'ai le truc 2 à gauche. 2 à gauche. Donc du coup. Donc du coup, ça non, ça serait pas bon. 2 à gauche. 3. Et 3. Bah non, du coup, il m'en faut 6. En vrai, il faudrait qu'il y ait des étoiles partout. Donc celles-ci sont là. Ah, je comprends pas. Je vois vraiment pas ce qu'il faut faire. Si ça décale, c'est dans le sens opposé d'une aiguille. Donc en gros, si je fais ça, c'est-à-dire que ça est là, ça est là, ça est là. Donc là, j'aurai les trois. Et là, du coup, je décale ça. Bah ouais, mais... It's amazing how words and symbols can keep their meaning after thousands of years. Mais quand soudain le jeu... Le jeu quoi. Je piche pas. Je piche pas du tout. Parce que là ils sont dans l'ordre. Non, ils sont pas dans l'ordre. C'est liquide transformation. Bah si, liquide.
François. Ouais, ils sont de l'ordre. 2, 1, 3, 3. 2, 1, 3, 3. Ça correspond à ces signes là. 1, 2, non, c'est toujours pareil. Petit symbole, tac tac. Du coup là c'est le truc, c'est celui là qui est là. Non mais ça on s'en fout ça. Ah quoi que après ça passe à 2. 2, 4. Bah ouais mais... Je comprends pas. Pourquoi ça veut pas bouger ça? Qu'est-ce que je suis censé comprendre là? Ah mais là je suis au pif donc ça sert à rien en fait. Ça sert à rien, je piche pas. Je piche pas ce que je fais. Que d'accord, les mots sont combinés, donc là on a le truc là de vie, on a le trait et la barre de liquide, et on a le triangle dans le coin d'éternel. D'accord. Mais... Je sais pas. Et ça décale le symbole, mais en fait le symbole ne décale pas. En fait c'est ça moi qui me perturbe. C'est qu'ils disent que le symbole décale, alors que non. Donc et les mots sont combinés, genre la vie éternelle c'est mélange de vie et d'éternel. Donc en gros les trois là et les trois là. Et ça c'est le quatrième. Mais du coup, qu'est-ce que j'en fais en fait? Merde, chaque fois je me trompe. Je piche vraiment pas là. Que les trucs ne bougent pas. Donc en fait je peux juste déplacer le cadran, mais le cadran il sert à quoi? C'est ça en fait le truc. Le cadran il sert à rien en fait. C'est ça en fait. Donc je vois pas. Parce que le premier c'est le liquide. Le liquide qui nous transforme. Ça c'est sûr. Mais du coup, sang de Dieu, il est combiné comme ça. C'est ça en fait. Je sais pas. Ah putain. D'accord. On va tenter ça. Parce qu'en fait, oui, d'accord, c'est le premier, donc je me focus là-dessus. Mais le truc, c'est que ce symbole-là, justement, du liquide, il est aussi présent dans celui-là. Donc c'est-à-dire qu'il valide le 1 et le 3. Donc là, il serait bon. Parce que le liquide est dans ce symbole-là, mais aussi là. Ok, on va tenter ça. Là, du coup, on a la transformation. Transformation, on l'a dans le 2. Et le 2. Ah merde, on l'a que dans le 2. Ah. Bah du coup... Du coup, ça veut dire quoi? Je le mets en haut. Ah. J'ai l'impression que déjà mon idée tombe à l'eau. Hein. J'ai l'impression que mon idée tombe à l'eau. La vie, on l'a dans le 1, le 3 et le 4. Donc du coup... Ah ouais mais non du coup. Bah oui bien, je peux pas me mettre entre deux trucs. Je peux pas me mettre entre deux trucs. Ah ouais.
Ah bah ouais, mais non, c'est de la merde. C'est de la merde, cette idée. Ah oui, mais ça décale les trucs. Justement, le max qu'on a, c'est 1, 2, 3. Il n'y a pas plus que 3. Et on a 3 étoiles maximum. Donc en fait, il faut que je les aligne par rapport à ça. Parce qu'on sait que ça décale. Donc en gros, faire pivoter le nord fait passer le symbole dans notre cadran. Donc alors attendez. Là, je suis là. Donc là, on veut le liquide, on veut que ça soit dans le 1 et le 3. Ben là, c'est bon du coup. Bah ben non. Là, si je touche pas. Si je touche pas, ils restent là où ils sont. Pour moi. Parce que je ne bouge pas. En fait, c'est à partir du moment où on déplace que ça bouge. On va tenter ça. Là, on a du coup, transformation, il n'y a que celui-ci. Et du coup, on veut que ça soit dans le 2. Donc je fais 1. Comme ça, l'étoile vient en 2. C'est ce qu'on a appris ici. Ok. Ensuite, on a la vie. Donc la vie, on l'a dans le 1, 3 et 4. 1, 3 et 4. Donc en gros, 1, 3 et 4. Hein? Ah ouais. Et du coup, ça décale dans le sens inverse. Donc. Donc là, on a tac, tac, tac. Et là, du coup, tac, tac, tac. Ouais. Et là, éternel, on l'a dans le 1 et le 4 et le 2. Donc du coup, normalement... Non. Attendez. 1, 4, 2. Donc là, tac, ils sont 1, tac, tac. Et encore 1. Et là, du coup, c'est tac, tac, tac. Ok. Donc celui-là il est bon. Celui-là il est bon. Celui-là il est bon. C'est celui-là qui est pas bon. Ok. C'était ça. Et du coup. Parce que là du coup il est en 1, 3, 4, c'est ça? 1, 3, 4. 1, 3, 4. Ok. Waouh! Ah c'est fou. Et c'est ça le truc en fait, c'est que. Quand on n'a pas assez d'indices, on se dit est-ce qu'on a tout, mais quand on en a trop, ouais, j'étais en mode bah oui, d'accord, ça fait des mots, mais. En fait, fallait. Ok. Ok, ok. Waouh. Ok, celle-ci était. Enfin, ouais. Peut-être que vous avez tilté direct, mais. Pour moi, ça a pris du temps quand même. Wow, c'est stylé. Ok, c'est stylé de fou. Petite note là. It appears Harry didn't advance any further. Je n'arrive plus à avancer, j'ai tout essayé, mais cette saleté refuse de fonctionner. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai suivi la séquence correctement et ma main n'arrive pas à faire marcher ce truc. Je dois traverser la rivière. Et pourquoi faire au juste? Ok, ok. Wow. Ok. Those are drums of some sort. Ok. Il a vraiment bloqué là-dessus, Harry, là? Il a vraiment bloqué là-dessus. T'es en train de bouger dehors. Je sais pas ce qui se passe, mais... Quoi? J'ai vraiment raté? Merde. Putain, je me foutais de sa gueule. Ok. Tac. Tac. C'est vrai que c'est écrit en vrai, les sous-titres.
gros, moyen, petit. Petit, gros, petit. Moyen, moyen, petit, gros. Ah, d'accord. Petit, moyen, moyen, gros. 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 Petit, moyen, moyen, gros, gros, gros. Petit, moyen, moyen, gros, gros, gros. Wow, this technology never ceases to amaze. Ok. Quand soudain Stargate. Ok. Ah non, mais c'est là qu'il était bloqué, lui. Ok. Eh, parce qu'il faut les mains. Quoique, c'est pas. C'est pas trop humain, mais c'est pas le même non plus. So it shouldn't work for me either. Unless there's something different about my hand. Anyway, Nora, you know what you've got to do. Wow. Quel spectacle. Wow, ouais, là, l'énigme était... Enfin, du moins, ouais. Pour moi, j'ai mongolisé, quoi. My hands. Oh, wow. Look at my hands. This is definitely not a dream. And I'm starting to doubt the others were dreams too. Ok, bah je suis un poisson du coup. La lumière. Oh. Faut aller vers la lumière. Non. Au fond des eaux. C'est stylé en vrai. I should be scared, but... It's hard to explain what I feel, but it isn't fear. Not a bit. C'est tellement stylé. Ok. Où c'est que j'ai pied là? J'ai pied nulle part. Another one of those gates, like the one I saw in the temple. Mais du coup, ça va me remettre en forme. Oh wow! I'm back to being me. Yeah! Bah, c'est plutôt stylé, ça. Pas où on est, mais on va pouvoir continuer tranquillement. Hein. Hard for me to understand how these gates work. What happens every time I cross one of them? Je pense que je me transforme en Croustibat à chaque fois. Hein. Ouais. C'est bien ça.